spectateurs, vous l'aurez certainement constaté. L'hymne national marque ici la deuxième phase de notre journée consacrée à la clôture de cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2020. Et là, vous constatez aussi que ça, de l'autre côté, nous voyons déjà le président de l'Assemblée nationale qui s'apprête à prononcer son discours de clôture pour cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2020. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, il faut aussi se dire que cette session ordinaire de l'Assemblée nationale 2020 a été particulièrement marquée par la pandémie de COVID-19 et une réadaptation particulière du dispositif de la conférence des présidents. Permettant ainsi d'adopter une résolution. Monsieur le ministre d'État, ministre. Permettant ainsi d'adopter une résolution afin de poursuivre les travaux en plénière dans un format réduit. Vous l'avez aussi constaté, depuis le 19 mars 2020, quand le premier cas de COVID-19 a été notifié. Monsieur le président des groupes parlementaires, messieurs les députés non inscrits, les membres. Réduite. Mesdames et messieurs les membres du bureau, la 31e séance plénière est reprise. Conformément donc à l'ordre du jour de la présente séance plénière, je m'en vais donc vous lire le discours de clôture de la première session ordinaire 2020. Monsieur le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, représentant le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Madame l'ambassadeur, ministre secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les membres du bureau, messieurs les présidents des groupes parlementaires, mesdames et messieurs les députés, chers invités, nous voici en ce jour solennel, marquant la clôture officielle de la première session ordinaire 2020 de l'Assemblée nationale ouverte le 5 mars 2020. Je voudrais, à cette occasion, au nom de tous les députés et en mon nom propre, souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue au Palais de la démocratie à Monsieur le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, représentant le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à Madame l'ambassadeur, ministre secrétaire général du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, qui, par leur auguste présence parmi nous cet après-midi, honore la représentation nationale et le peuple tchadien dans son ensemble. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à messieurs les présidents des grandes institutions de la République, à mesdames et messieurs les membres du gouvernement, à leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et consulaires, à mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, ainsi qu'à tous nos illustres invités qui, en de pareilles circonstances, ont toujours répondu favorablement à notre invitation, mais ne peuvent en ce moment précis prendre part à nos assises. Comme vous l'avez certainement constaté, la présente cérémonie de clôture de la première session ordinaire 2020 de l'Assemblée nationale se déroule dans un format extrêmement réduit en raison notamment des mesures barrières de distanciation physique
prises par le gouvernement à l'effet de lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du COVID-19 dans notre pays. En application de ces directives gouvernementales et dans le strict respect des mesures barrières, l'Assemblée nationale a décidé de procéder à la révision de son règlement intérieur pour l'adapter au contexte actuel de l'état d'urgence sanitaire par la mise en place de mesures dérogatoires permettant d'assurer son fonctionnement, de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Monsieur le ministre d'État, ministre conseiller à la présidente de la République, représentant le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Madame l'ambassadeur, ministre secrétaire général du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés. Au cours de cette première session ordinaire 2020 qui s'achève, et en dépit de la persistance de la pandémie de COVID-19, l'Assemblée nationale a continué à fonctionner régulièrement en exerçant la plénitude de ses prérogatives constitutionnelles et ce, conformément aux nouvelles dispositions contenues dans son nouveau règlement intérieur. Les travaux en commission, la conférence des présidents, les réunions du bureau et la plénière se sont déroulés normalement. Ainsi, 11 projets et une proposition de loi dans des domaines visant la ratification des accords de prêt, le renforcement de la gouvernance économique et politique, la promotion de l'entrepreneuriat et du monde rural, la répression des actes du terrorisme, la création d'un institut de santé ont été adoptés. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, 2 questions d'actualité et 3 questions orales avec débat portant sur la gestion de la pandémie du COVID-19, les difficultés liées à la délivrance des documents officiels, le développement des sports dans notre pays, la concrétisation des promesses du chef de l'État pendant sa tournée dans la zone méridionale ont été posées aux membres du gouvernement. De même, 6 interpellations ont été adressées aux membres du gouvernement sur des thématiques relatives à l'environnement, à la campagne agricole en temps de pandémie et sur les conséquences de la pandémie du COVID-19 et les moyens de lutte mis en œuvre par le gouvernement. Ces questions orales et d'actualité, ces interpellations visent à mieux éclairer l'opinion nationale et nos concitoyens sur les sujets préoccupants de l'heure qui intéressent l'ensemble de la population. Enfin, il convient de relever que 7 résolutions ont été également adoptées. 4 résolutions portent sur l'autorisation de la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, la reconduction de la commission spéciale chargée de la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la mise en place de la caisse de retraite des députés. 2 autres résolutions concernant, d'une part, l'édification d'une stèle mémoriale à Bohoma dans la province du Lac, en reconnaissance de la nation tchadienne aux éléments de force de défense et sécurité tombés sur les champs de bataille le 23 mars 2020 à Bohoma et ceux tombés dans l'opération Colère de Bohoma, et d'autre part, l'élévation à la dignité de maréchal du Tchad, du général d'armée Idriss Déby Itno, pour service rendu à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. La dernière résolution adoptée par l'Assemblée nationale porte sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 3 mois à compter du 16 juillet 2020. Il convient ici de faire observer, au regard de tous les actes de bravoure accomplis sur le théâtre des opérations,
et aux faits de guerre, de l'engagement au péril de sa vie pour la défense de la patrie, du combat quotidien mené par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, pour assurer la défense de l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays, le peuple tchadien, à travers ses représentants à l'Assemblée nationale, a voulu lui exprimer sa profonde reconnaissance et sa gratitude pour ses actes et pour son parcours exceptionnel qui lui permettent aujourd'hui de présider au destin de notre pays. C'est le sens que l'Assemblée nationale a voulu donner à cette élévation à la dignité de maréchal du Tchad. À ce propos, le bureau de l'Assemblée nationale poursuivra les travaux parlementaires pour la construction de la stèle mémoriale à Bohoma dans la province du Lac. De même, le bureau de l'Assemblée nationale prendra toutes les dispositions utiles et nécessaires pour l'organisation de la cérémonie d'élévation à la dignité du maréchal du général d'armée Idriss Déby Itno. La première session 2020 de l'Assemblée nationale qui s'achève aura vu l'aboutissement des profondes réformes institutionnelles engagées par notre institution. Il y a eu en premier lieu la mise en place effective de la mutuelle d'entraide santé de l'Assemblée nationale Mézane, dont le but est d'apporter une protection sanitaire aux députés et au personnel parlementaire, en favorisant l'accès à des meilleures prestations de santé à moindre coût à tous les mutualistes. Les directeurs de cette nouvelle structure ont été nommés et les membres du conseil de supervision ont été installés. Il y a eu ensuite l'adoption de la résolution portant mise en place de la caisse de retraite des députés, qui constitue une innovation majeure visant à assurer la prise en charge sociale des députés à la fin de leur mandat. Le bureau de l'Assemblée nationale prendra toutes les dispositions à l'effet de rendre effectif le fonctionnement de cette caisse de retraite. Il y a eu enfin, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, la mise en place du comité d'évaluation des politiques publiques, un organe composé de 27 membres dont le bureau a été déjà formé et qui aura pour mission d'évaluer en amont, pendant et en aval, si les mécanismes juridiques, administratifs et les moyens tant humains, matériels que financiers mis en œuvre par le gouvernement ont produit les effets attendus et permettent d'atteindre les objectifs fixés. L'Assemblée nationale poursuivra les travaux de renforcement des capacités de l'institution par la finalisation du règlement intérieur, du règlement financier et du manuel de procédure. Monsieur le ministre d'État, ministre conseiller à la présidente de la République, représentant le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Madame l'ambassadeur, ministre secrétaire général du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés. Dans le domaine de la diplomatie parlementaire, même si les rencontres en présentiel ne peuvent avoir lieu à cause de la pandémie du COVID-19, l'Assemblée nationale a participé par visioconférence à de nombreuses réunions statutaires dans le cadre de la préparation de la 5e conférence des présidents des parlements qui aura lieu à Vienne, en Autriche. L'Assemblée nationale a aussi pris part activement aux visioconférences organisées par le comité exécutif de l'Union interparlementaire, aux différentes rencontres avec des commissions spécialisées de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et du réseau des parlementaires de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Toutes ces activités ont été rendues possibles grâce à l'investissement fait par l'Assemblée nationale pour promouvoir de nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein de notre institution. Dans le domaine social, et notamment celui de la santé publique, l'Assemblée nationale constate qu'à l'instar
les autres pays du monde. Notre pays a été aussi victime de la pandémie du COVID-19, dont le premier cas a été signalé le 19 mars 2020. Mais à ce jour, le nombre total de contaminations se chiffre à 864 cas confirmés, dont 74 décès. Par rapport à cette pandémie, le gouvernement, après évaluation de la situation, a pris un certain nombre de mesures barrières pour limiter la propagation et la transmission du virus, suivre les cas suspects ou les éventuels cas confirmés pour mieux protéger la population en décrétant l'état d'urgence sanitaire, en créant un fonds spécial de lutte contre le COVID-19 et en mettant en place le comité de gestion de crise sanitaire dirigé personnellement par le maréchal Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef du gouvernement. D'abord, les mesures barrières ou de distanciation comme l'instauration d'un autre couvre-feu dans certaines provinces du pays et dans la ville de N'Djamena, l'interdiction des regroupements, la fermeture des lieux de culte, des écoles et d'autres lieux de rassemblement, la limitation des déplacements par les transports publics, la fermeture des aéroports et des lieux de commerce non essentiels ont été instaurés. Ensuite, les mesures sanitaires axées sur le contrôle, le dépistage, l'hygiène, l'assainissement et surtout la prise en charge des cas confirmés à l'hôpital régional de Farsha et l'hôpital de la Renaissance ont été prises. Toutes les personnes confinées suite à des tests ont été totalement prises en charge par l'État tchadien. Enfin, les mesures éducatives comme la communication, l'éducation et la sensibilisation des populations sur des signes cliniques et sur la nécessité de suivre des consignes relatives à cette maladie ont été mises en œuvre par le gouvernement. L'Assemblée nationale félicite le gouvernement et salue la pertinence de l'ensemble de ces mesures dont l'observance a commencé à produire des signes perceptibles du ralentissement de la propagation du virus, comme le prouve la tendance baissière du nombre de contaminations et de décès ces derniers jours. C'est au regard de ces résultats encourageants que le gouvernement a envisagé un déconfinement partiel par la réouverture des écoles, des lieux de culte, des transports interurbains. Il y a lieu de reconnaître qu'il y a eu une nette amélioration de la situation actuelle de la pandémie du COVID, du coronavirus au Tchad. L'Assemblée nationale tient à adresser ses sincères félicitations au comité de gestion de crise sanitaire pour le travail abattu et espère qu'avec la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour un délai de 3 mois, la pandémie du COVID-19 sera complètement éradiquée dans notre pays. Cependant, comme toute épidémie, toute pandémie, il est fort à craindre une recrudescence puisse surgir dans les jours à venir. C'est pourquoi il faut toujours rester sur ses gardes. À cet effet, l'Assemblée nationale encourage le gouvernement à la vigilance afin de préserver le maintien par la population des gestes barrières. De même, l'Assemblée nationale invite la population tchadienne à une véritable prise de conscience et de responsabilité, à la fois collective et individuelle, pour assurer la préservation de la santé de tous et de chacun. Cette crise sanitaire a permis au gouvernement de découvrir la faiblesse de notre système sanitaire, la disparité dans les équipements des hôpitaux de nos différentes provinces, la faiblesse de nos ressources humaines, et l'urgence de la nécessité des actions de renforcement des compétences du personnel soignant, pour lesquelles l'Assemblée nationale tient ici à rendre un vibrant hommage pour le dévouement, l'engagement, la manière de service et le sens élevé de responsabilité dont ils ont fait preuve tout au long de cette pandémie. En dépit de moyens techniques et financiers limités dont ils disposent,
Dans cette optique, l'Assemblée nationale encourage le gouvernement à traduire dans les faits les mesures sociales annoncées au profit du personnel soignant. Cette crise sanitaire a aussi révélé la précarité des moyens de soins de santé de beaucoup de nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale encourage le gouvernement à développer la mise en place de la couverture sanitaire universelle, la couverture santé universelle, pour permettre l'accès aux services de santé à moindre coût au profit des populations. Je voudrais également, au nom de l'Assemblée nationale, adresser à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, aux pays frères et amis, aux organisations internationales, régionales et sous-régionales, qui, dans un élan de générosité et de solidarité agissante, ont apporté au gouvernement et au peuple tchadien leurs aides et leurs appuis multiformes dans cette épreuve difficile que nous avons traversée. Monsieur le ministre d'État, ministre conseiller à la présidente de la République, représentant le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Madame l'ambassadeur, ministre secrétaire général du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés. La clôture de la première session ordinaire 2020 de l'Assemblée nationale intervient à un moment où notre économie est déjà confrontée à des multiples problèmes se traduisant par la lutte engagée contre la secte Boko Haram dans les confins du lac Tchad, doit en plus faire face à la pandémie du COVID-19. En dépit de la relative embellie des recettes pétrolières au premier trimestre, grâce notamment au recouvrement de l'impôt sur les sociétés pétrolières, les défis économiques énormes consécutifs à la prise de mesures restrictives concernant la fermeture des frontières terrestres et aériennes s'opposent au gouvernement, avec comme corollaire l'arrêt de nombreuses transactions commerciales créatrices de richesses tant au cordon douanier qu'au niveau interne. Les opérateurs économiques font face en ce moment à des multiples difficultés économiques et financières, dans la mesure où le ralentissement et l'absence des transactions commerciales impactent négativement, non seulement sur l'économie dans son ensemble, mais aussi et surtout sur les relations de ces opérateurs avec les établissements financiers. Sur ce point notamment, l'Assemblée nationale se félicite des actions entreprises par le gouvernement après le discours à la nation du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le 14 avril 2020, qui se traduisent par des mesures sociales en faveur des ménages, des mesures incitatives en faveur des jeunes et des femmes pour le soutien à l'entrepreneuriat, et des mesures fiscales en faveur des opérateurs économiques. La représentation nationale salue les actions de la communauté internationale financière qui a bien voulu accepter de différer le paiement de la dette extérieure de notre pays. C'est le lieu ici de remercier tous ses partenaires et d'encourager le gouvernement à plaider pour l'annulation totale de la dette afin de booster notre économie et relancer la croissance en ces temps de pandémie. Cette crise sanitaire a mis également en évidence la vulnérabilité de notre économie dépendante exclusivement des recettes pétrolières et interpelle fortement le gouvernement sur l'urgence et la nécessité de procéder à la diversification de notre économie pour la rendre plus résiliente aux chocs exogènes à venir. C'est pourquoi l'Assemblée nationale encourage le gouvernement à poursuivre sa politique de diversification de l'économie tchadienne, à l'effet de promouvoir la croissance, la création d'emplois, l'accélération du développement du secteur privé et l'accroissement des investissements dans des secteurs autres que celui des ressources naturelles. S'agissant principalement de la diversification de l'économie nationale, l'Assemblée nationale encourage le gouvernement
à ne pas perdre de vue l'intégration sous-régionale et régionale, facteur indispensable pour l'amélioration des échanges commerciaux, des exportations et le développement des infrastructures. Dans cette optique, le projet d'interconnexion des réseaux électriques au Cameroun et au Tchad, qui est actuellement à une phase importante de son financement, en est un exemple salutaire. La construction d'une ligne de haute tension pour le transfert d'énergie électrique entre le Cameroun et le Tchad, sur une distance de 1024 km, qui se matérialisera par l'électrification de 69 localités au Tchad dans un proche avenir, permettra à presque 3 millions de nos concitoyens d'avoir une électricité fiable. De même, cette interconnexion renforcera les capacités techniques de la Société nationale d'électricité qui connaît actuellement de nombreuses difficultés. Monsieur le ministre d'État, ministre conseiller à la présidente de la République, représentant le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Madame l'ambassadeur, ministre secrétaire général du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés. Dans le domaine de l'agriculture, l'Assemblée nationale a noté avec une profonde satisfaction le plan d'urgence sur la sécurité alimentaire élaboré par le gouvernement pour faire face à la pandémie de COVID-19 et limiter son impact éventuel sur la situation alimentaire et nutritionnelle des populations tchadiennes. Ce plan prévoit notamment la prise en charge des populations en insécurité alimentaire et le soutien à la production agricole à travers une assistance alimentaire aux populations vulnérables, à travers l'acquisition par l'Office national de sécurité alimentaire ONASA de 70 000 tonnes de céréales et la reconstitution du stock à hauteur de 15 000 tonnes de céréales. L'Assemblée nationale relève pour s'en féliciter que le gouvernement a décidé d'apporter un important appui à la production agricole par la rétrocession de plus de 1 000 tracteurs aux producteurs, l'acquisition et la distribution de 7 700 tonnes de semences de culture pluviale certifiées, 24 tonnes de semences de culture maraîchère, 7 000 tonnes d'engrais, 10 000 kits de matériel aux producteurs maraîchers et 5 000 charrues à traction animale pour les petites exploitations familiales. Pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire, le gouvernement déploie des efforts énormes afin de renforcer la production des cultures de contre-saison par l'augmentation de la quantité de semences des cultures maraîchères et vivrières pour relancer la production des cultures maraîchères dans toutes les zones où elles se pratiquent, mais aussi pour engager des travaux de réhabilitation de certains périmètres aménagés pour accroître les autres productions de contre-saison. Tout en se félicitant de ces mesures visant à l'accroissement de la production maraîchère et vivrière, l'Assemblée nationale encourage le gouvernement à développer la création des parcs et unités industrielles sur lesquelles seront adossées les productions agricoles, de manière à parvenir à la mise en place des filières porteuses sur le plan commercial. La transformation industrielle des produits manufacturés est un levier pour maintenir une bonne production agricole et constitue une voie salutaire et créatrice d'emplois pour la population rurale. L'objectif final est recherché et de parvenir à une production économique qui règle la question de la sous-alimentation et de la famine récurrente, assure la croissance pour offrir de l'emploi et résorber le chômage de masse et ou de la jeunesse et accroître également le PIB hors pétrole. L'Assemblée nationale voudrait saisir cette opportunité pour dire un mot d'encouragement à nos frères du monde rural à l'entame de la saison de pluie qui semble avoir bien démarré diversement dans les zones climatiques de notre pays. Nous demandons au gouvernement, aux autorités locales et aux agents de développement de prendre toutes les dispositions pour que les travaux se déroulent dans la quiétude et le bon suivi du calendrier agricole, ainsi que la mise à disposition à temps
des intrants, s'agissant notamment du monde rural. L'Assemblée nationale constate avec une profonde préoccupation la recrudescence des conflits agriculteurs-éleveurs ainsi que des conflits intercommunautaires qui, malheureusement, refont surface dans de nombreuses localités, causant la mort des victimes innocentes au sein de nos populations. L'Assemblée nationale invite le gouvernement et les autorités locales à prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d'éviter la survenance de ces conflits qui endeuillent quotidiennement nos populations, en recherchant des voies et moyens pour les résoudre dans la paix, la justice et l'équité. Dans le domaine de l'éducation nationale, l'Assemblée nationale se réjouit des mesures prises par le gouvernement pour sauver l'année scolaire et académique en cours, en décidant de la réouverture des classes d'examen pour parachever le programme et éventuellement organiser les examens de fin d'année. L'Assemblée nationale invite les élèves, les étudiants et les enseignants à apprécier à sa juste valeur les efforts déployés par le gouvernement et à s'investir chacun dans son domaine pour finir l'année académique dans de meilleures conditions. Monsieur le ministre d'État, ministre conseiller à la présidente de la République, représentant le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement. Madame l'ambassadeur, ministre secrétaire général du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés. Après la clôture de cette première session ordinaire 2020, mesdames et messieurs les députés prendront leurs vacances pour se rendre auprès de leurs électeurs et électrices dans leurs circonscriptions électorales respectives. Je leur souhaite de passer de bonnes vacances, mais aussi et surtout de recueillir les préoccupations de leurs concitoyens au cours de leur séjour parlementaire pour que nous puissions, le moment venu, les transmettre au gouvernement. Je les encourage également à profiter de leurs vacances parlementaires pour sensibiliser leurs électeurs et électrices sur la pandémie du COVID-19 qui sévit actuellement dans notre pays et d'inviter les populations à la vigilance et au respect des gestes barrières afin de lutter efficacement contre la propagation du virus. Avant de terminer mon propos, je tiens à réitérer à Monsieur le ministre d'État, ministre conseiller à la présidente de la République, représentant le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, à Madame l'ambassadeur, ministre secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale, mes sincères remerciements pour avoir répondu favorablement à notre invitation en dépit des contingences de leur agenda. Je tiens également à adresser mes remerciements à tout le personnel administratif et technique de l'Assemblée nationale, à la presse, aux agents de sécurité, du protocole, aux huissiers, à tous ceux et toutes celles dont l'appui multiforme dans le respect des gestes barrières a permis le bon déroulement de cette session. Sur ce, je déclare close la première session ordinaire 2020 de l'Assemblée nationale. Je vous remercie de votre aimable attention.